Le premier ingrédient, c'est la poudre de fenugrec. Rassurez-vous que c'est écrit sur la boîte. Poudre organique de fenugrec, l'huile organique de coco, la graine de fenugrec. On a aussi le garlic. Et je vous dirai pourquoi le garlic. On a l'oignon rouge, aloe vera. On a juste besoin d'extraire le gel qui se trouve à l'intérieur du aloe vera. Rassurez-vous d'acheter quelque chose de ce genre. Vous voyez cette petite couche qui se trouve à l'intérieur permettra de bloquer le gaz d'aller vers vos yeux. Lorsque vous découpez l'oignon rouge. Après qu'on a fini d'épiler le garlic, on va découper les oignons rouges. Le jus d'oignon contient des antioxydants et des vitamines, mais il est aussi anti-inflammatoire et antimicrobien, ce qui aurait pour bénéfice de favoriser la poussée de vos cheveux, mais aussi de rééquilibrer votre cuir chevelure, et ce qui est favorable pour la poussée de bons cheveux. Le garlic ou le lye en français améliore la circulation sanguine de l'organisme, ce qui renforce les bulbes capillaires et stimule la poussée des cheveux. Et ses propriétés assistantes aident à garder le cuir chevelu sain et sans pellicule. Je vais le garder ici pendant 24 heures. Et après 24 heures, on va maintenant essayer de filtrer afin de pouvoir extraire le jus de lye ou le jus de garlic. Voici le résultat final. On va essayer de faire le jus de fenugrec. Il suffit juste de choisir la quantité qu'il faut. Aussi mesurer la quantité d'eau qu'il faut. Et après 4 jours, voici comment ça se trouve dans la bouteille. Ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'extraire le jus. C'est un peu gluant. Le fenugrec agit sur les cheveux, en freinant la cavité, stimulant la poussée des cheveux, tout en les rendant les plus gros, soyeux, brillants et épais. Le fenugrec contient une grande quantité de lécithine, un émollient naturel connu pour renforcer et hydrater les cheveux. Le fenugrec est riche en fer et en protéines. Le fenugrec est riche en vitamine A, vitamine K et vitamine C qui sont aussi nécessaires pour la poussée de vos cheveux. L'épisode numéro 3 sera d'extraire le gel d'aloe vera. Le aloe vera contient la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B12 et la vitamine D. Le aloe vera appliqué sur le cuir chevelure stimule la circulation sanguine. De plus, le gel renforce la fibre capillaire en lui apportant les nutriments, les vitamines et les minéraux nécessaires à leur croissance. Ainsi, les cheveux poussent plus vite et plus fort. Ses vertus hydratantes, régénératrices et fortifiantes permettent ainsi de retrouver des cheveux plus souples, doux, brillants et plus faciles à coiffer. C'est pourquoi aloe vera est l'idéal pour les cheveux secs et abîmés, mais aussi pour les cheveux frisés, bouclés et crépus. On va commencer d'abord par le jus de fenugrec. Le jus d'aloe vera. Et on mélange. Et après, on va essayer de rajouter le jus d'oignon et de garlic. Et on va essayer de les utiliser. Les restes, on va essayer de les garder dans le frigo pour pouvoir les utiliser dans la semaine à venir. On va essayer de faire l'huile de fenugrec. Pour le faire, on va utiliser la poudre de fenugrec et on va ajouter l'huile d'olive. L'huile d'olive nourrit vos cheveux en profondeur grâce à ses précieux acides gras et ses antioxydants qui pénètrent au cœur de la fibre capillaire pour préparer, nourrir, combler les micro-fissures et prévenir les fourches. Son action assouplit vos cheveux, les rend doux, elle rassure le film lipidique du cheveu et aide à prévenir la perte kératine et aussi l'huile organique de coco. Et après, on va réchauffer au feu pendant 5 minutes. Et après ça, on va l'enlever. On met dans une boîte. On va garder dans l'armoire pendant 24 heures. Et après 24 heures, on va essayer de filtrer afin de pouvoir extraire l'huile. Et voir celui-là. C'est très magnifique. Je vais vous montrer comment utiliser ces produits. Je fais d'abord mes push-ups. Je fais 40 push-ups. Et après les 40 push-ups, j'applique le jus d'oignon rouge, de fenugrec, de garlic ou de l'ail qu'on avait mélangé sur ma tête.
Je mets un plastique sur ma tête. Je pars me laver parce que je ne veux pas que l'eau touche ma tête. Et après m'avoir lavé, je reviens. Et après mon tasse de thé, je me rassure que mes cheveux sont secs. Et après avoir ma tasse de thé, je pars au lit très tôt à 22h. Parce qu'il faut mieux dormir pour pouvoir mieux pousser les cheveux. Make my bed first. Là, je sais pas si je suis un Black Panther ou je suis un Brown Panther. Mais ce qui reste clair, quand même, j'ai ce pouvoir-là à moi. N'importe quelle chaussure que vous avez, que ce soit d'anciennes chaussures, de nouvelles chaussures, d'anciennes chaussures, portez-les, partez et courez. Il n'y a pas d'excuse. Go. Ils appellent cela la routine matinale de tous les fit lovers. Pour que le sang puisse circuler dans le corps, c'est pour pouvoir diminuer le taux de DHT dans mon corps. Et à cette époque, on était au moment du lockdown, au moment du COVID-19. Donc je ne voulais pas grossir. Je faisais tous ces exercices le matin. Je cours sans déjeuner pour pouvoir diminuer le poids. Sur cette partie de la vidéo, je suis pratiquement fatigué parce que je suis en jeûne. Mais je m'efforce à courir et je me suis déjà habitué et mon corps est déjà habitué. Et c'est comme cela que je perds la graisse possible. Et c'est ce que vous devez faire. Vous n'allez pas rester assis à la maison et le miracle va se passer. Il faut vous mettre à la tâche. Plus vous courez, de plus vous favorisez la circulation du sang. Et de plus la circulation du sang est favorisée et vous pourrez pousser les cheveux. Je pars me laver après le sport. Après m'avoir lavé, j'applique l'huile de fenugrec sur ma tête. De façon très très gentille, d'abord sur mes cheveux et ensuite je l'applique profondément sur le cuir chevelu. Pour avoir de bons résultats, et c'est ce que je vais faire, ne portez pas d'habit avant d'appliquer l'huile sur vos têtes. Comme vous le voyez ici, sur cette partie de la vidéo, au-dessus de ma tête, j'ai pas beaucoup de cheveux. Mais après avoir fait ce traitement, voici le résultat, mes cheveux poussent lentement mais sûrement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo si vous avez aimé la vidéo.